Salut à tous, c'est Charrette. Je fais cette petite vidéo pour vous annoncer de manière plus ou moins officielle, on va dire carrément officielle, la fermeture de notre serveur Minecraft qui est Trivencraft. Voilà, après 2 ans d'aventure, le serveur va fermer ses portes. Car malheureusement, les admins n'ont. Enfin, moi et Fartounet. Donc moi qui étais l'admin de façade et Fartounet qui était l'admin de l'ombre, celui qui s'occupait du code et de la gestion sur Internet, n'avons plus de temps ni la motivation nécessaire pour continuer cette aventure. Tout simplement, des choses qui nous concernent, de notre vie privée à chacun, font que nous ne pouvons plus avoir ni la motivation nécessaire, ni le temps. Que nécessite l'entretien d'une communauté et d'un jeu aussi addictif qu'est Minecraft. Donc moi, par exemple, dans mon cas, des changements familiaux qui font que je ne peux plus être aussi actif la nuit sur Minecraft, sachant que c'est une drogue et du coup, je peux rester 5-6 heures, voire 15 heures sans manger ou autre. Ce qui est préoccupant quand on commence le master, du coup, afin d'améliorer mes chances de réussite du master, je vais devoir arrêter Minecraft. Ceci dit, l'aventure en multi s'arrête, avec mais pas les liens qu'entretiennent les joueurs entre eux. Donc, certes, le site Trivencraft fermera, mais la page Facebook du groupe restera, elle, afin de tenir informé des différentes occupations des joueurs, et puis je vous signale que. Minecraft, même si au début c'était que du Minecraft, petit à petit les gens ont développé d'autres jeux sur lesquels ils jouent ensemble, que ce soit Left 4 Dead ou autre. Entre autres, Left 4 Dead. Il y a aussi, DayZ ou. Je sais plus. Moi je ne jouais qu'à Minecraft, car mon PC ne me permettait que de jouer que à ça. Donc, le serveur fermera. C'est une page assez importante de notre vie. De notre. Oui, carrément, notre vie qui se tourne. Mais faut pas considérer ça comme un événement dramatique sur lequel il faut pleurer. Faut... Non, non, c'est quelque chose qui doit se passer et qui va se faire. Faut pas maintenant en faire tout un plat. Donc je disais, à part ça, pour ceux qui veulent continuer l'aventure Minecraft, mais qui seraient plutôt intéressés par le côté, enfin par le mode FTB, je vous recommande le serveur d'un ancien joueur qui est devenu admin à son tour, de Tado87. Je mettrai le descriptif pour que vous retrouviez sa chaîne ou son site. Donc qui dirige maintenant donc farmcraft.fr il me semble. Un .fr oui. Qui a sa propre communauté avec laquelle on échangeait beaucoup. Et qui par exemple donc, il y a Tankcept, Transport, maintenant il y a Isoka, qui font non seulement il y a Doudou maintenant aussi, et The Belge il me semble. Qui font à la fois donc du Minecraft avec le mode FTB, mais ils font également d'autres jeux. Donc, si jamais vous êtes une personne sérieuse, je vous recommande chaudement ce serveur-là. Surtout qu'il y a une ambiance bon enfant, familiale, un peu ce qu'on avait nous au début de FreeFunCraft, juste avant que petit à petit chacun aille de son côté à cause de sa vie réelle. Sur ce, je vous dis bon vent. Que vos pioches ne s'abîment pas et prenez soin de vous. Ciao ciao!